Salutations les copains, c'est Furious Fraser, on se retrouve pour la vraie vidéo de Minecraft 1.20 épisode 1. Ne vous inquiétez pas, je chanterai pas dans cette vidéo là, c'est vraiment une vidéo normale. Fait que, puis je voulais vous dire aussi que si ça vous intéresse de m'entendre chanter, éventuellement je vais créer une nouvelle chaîne justement consacrée à la musique et au chant. Fait que, ne vous inquiétez pas, je vais publier ça dès que ce sera le moment. Fait que c'est parti, let's go. En attendant, c'est ça, j'ai commencé à vouloir m'établir là. On voit un peu sa carte que c'est quand même intéressant. Fait que c'est ça. Bon, fait que là, alors que je commençais à vouloir commencer à ramasser quelques ressources comme du bois, qui est la ressource de base dans Minecraft, ben, j'ai fini bien sûr en pleine nuit par finir par me faire attaquer. Puis ça, ben c'est pas très cool, parce que au début, quand on n'a pas d'armure puis pas vraiment d'armes, ben ça fait mal puis c'est vraiment très dangereux. Bon, fait que là, c'est ça. J'ai ramassé quand même pas mal de bois. Bon, fait que là, ah, maudit squelette. Ah mon tabarnouche, les squelettes dans l'eau, ils font vraiment chier. Depuis la 1.18 ou 1.19, je sais pas, mais c'est devenu des vrais. C'est ça, des vrais tireurs d'élite quoi, ils sont chiants. Bon, fait que là, il faut bien que je mange pour me restaurer ma vie. Ramasser de la pierre, très important toujours aussi. Les deux premières ressources vraiment les plus essentielles au début, c'est vraiment, c'est ça, le bois puis la pierre. Et le charbon aussi. Le fer et beaucoup d'autres. Bon, fait que là, on m'a épiné un peu plus. Bon, fait que là, j'ai miné un certain temps. Je vais essayer d'aller me trouver une place où dormir. M'a essayé. Dans un lit libre. Bon, fait que finalement, fuck that. J'ai pas trouvé de lit. J'ai décidé de continuer de faire les modifications, commencer à modifier ma maison, faire de la place, ôter des affaires que j'ai pas de besoin, crafter des affaires. Comme un établi, un four et un coffre. Fait que voilà l'établi. Ah voilà. Et de l'autre côté, le coffre. Yes sir, ça commence à ressembler à quelque chose, tranquillement pas vite. Bien. Fait que continuons avec le four. Yeah! Fait que ça, c'est la base. Fait que là, j'ai été chercher encore du bois. Ben, le bois que j'avais été ramasser tantôt, je l'ai mis dans le four pour le faire cuire, me faire du charbon. C'est essentiel. Une autre bonne raison pour ramasser vraiment beaucoup de bois. Parce que c'est ça, en brûlant du charbon, ben du bois, pardon, ben c'est ça, ça fait du charbon. Fait que là, on m'a commencé à démolir la maison, puis à commencer à l'arranger comme que je veux. Fait que là, je vous dis à tout de suite, les copains. Fait qu'un peu plus tard, après avoir commencé les travaux, voici à quoi ça ressemble, après 20 minutes, une demi-heure. Puis c'est pas parti pour arrêter là, j'ai pas fini, fait que on continue le travail comme toujours et comme d'habitude je vous montre le résultat du suite. Bon, fait que là j'ai encore avancé un peu, il n'y a pas grand chose qui a changé, mais ça progresse. Bon, on va me faire une ressource de bouffe d'urgence. Au début, ça aussi c'est toujours une bonne idée. Puis vu que j'ai commencé dans un biome, voyons comment ça s'appelle. En tout cas, là où il y a des sapins partout, ben on trouve des baies sucrées partout. Puis ça, ben c'est pas très long à faire pousser. Il y en a trois à chaque fois qui poussent. Faut juste faire attention de ne pas se rentrer dedans. Salut Monsieur Golem, ça va? Bon, fait que ça c'est fait. Fait que ça fait toujours une très bonne ressource de bouffe au cas où. Bon, fait que là, encore une fois, encore 20 minutes, une heure de travail, voilà le résultat. C'est pas encore fini, clairement. Mais ça avance, puis je commence à être satisfait du travail. Ça ressemble à une base, à de quoi de pas pire, quoi. Puis, c'est ça. Fait que, à cette heure que ça s'est fait, me pouvoir me commencer autre chose. Bon, je suis parti explorer autour de mon village pour voir si je ne... Non, c'est... Non. Excusez, je me suis trompé de bout.
Ça, c'est le bout que, entre les deux moments que j'ai coupé puis que je cherchais du stuff, j'ai été faire la guerre à des monstres, je suis mort puis je n'ai pu trouver le spawn. Fait, à force de chercher encore une heure et demie, j'ai fini par trouver un autre nouveau petit village. Fait que j'ai été explorer un peu les environs, puis voici ce que j'ai cru trouver. Bon, fait qu'il n'y a rien vraiment d'intéressant, mais j'ai trouvé mon spot où faire ma nouvelle base, qui devrait être dans ce coin-là, juste ici, ouais, juste là, je pense, pas loin. Mais avant tout, ça prend de la bouffe. Puis les baies sucrées, c'est très bon, ça pousse vite, puis on peut en avoir beaucoup assez rapidement, mais ça nourrit de 1 gigot, fait que c'est pas tant que ça. Ben, j'ai été sa montagne, voir si je trouverais pas quelque chose. À part le nouveau biome de cerisier, j'ai pas vraiment trouvé grand-chose d'autre non plus. Mais on a quand même une belle vue sur le village ici, pis tout, pis tout. Bon, fait que voici le nouvel emplacement de ma nouvelle base. Ne vous inquiétez pas, la nouvelle base, je l'ai pas perdue. Va juste falloir que je la retrouve. Puis ça, ben, j'ai déjà comme projet d'aller le faire. Ben, fait que voici les deux cartes que j'ai explorées pour l'instant. Il y a des affaires quand même pas mal intéressantes là-dedans. La zone, en tout cas, je l'aime beaucoup. Il n'y a pas vraiment d'océan, mais il y a beaucoup de rivières. Fait que ça facilite le déplacement. Puis là, ben, je vais prendre mes affaires, m'a prendre une carte, m'aller explorer vers le bas. Puis j'espère sincèrement être capable de trouver mon ancienne base. Parce que c'est ça, je sais pas trop où ce qu'elle est. Puis vu que j'ai toujours l'habitude dans Minecraft de me faire plusieurs bases, pas une, pour plusieurs biomes différents, puis ainsi de suite. Ben, c'est pour ça que j'aimerais vraiment la retrouver. Fait que, on part en exploration. Fait que, c'est parti. J'ai ramassé mes affaires. Ah oui, c'est vrai, ça va me prendre ma table de cartographie. Ouais, bien sûr, essayer de sauver de l'espace. Parce que si jamais je trouve de quoi d'intéressant, m'avoir de l'espace en masse pour ramasser ça. Bon, fait que voici le travail après un certain temps. Quand même pas pire, un peu plus basique. Puis là, ben, j'avais commencé à mettre de la brique pour remplacer la brique de pierre, faire un peu autre chose, faire une démarcation. Mais honnêtement, je sais pas trop si c'est vraiment très. Ben, ça l'est. Mais bon, j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Fait que n'hésitez pas à me le laisser. Parce que le bas, j'ai l'intention de laisser de la brique de pierre. Puis en haut, là où il y a un bloc de plus. Ben, j'avais l'intention de faire de la brique. C'est quand même pas pire, j'aime ça, mais je suis pas convaincu que ce soit le mélange idéal. Ça ici, c'est ma mine, tout simplement. Puis oui, c'est quand même assez dangereux. J'avais fait ma base en surface, puis là, ben, j'en ai construit ben, une base. C'est pas vraiment une base, là, c'est plus un avant-poste, comme je pourrais dire. Parce qu'en dessous, j'ai une belle grande mine très intéressante à explorer. Puis c'est toujours pratique d'avoir du stockage et des fours pas loin de la mine. Comme ça, ben, quand j'ai suffisamment de matériaux, ben, j'ai juste à les ramener direct à ma base, puis c'est parfait. J'ai pas particulièrement grand stock encore, mais ça s'en vient. J'ai un lit, j'ai un établi, j'ai un coffre, comme si ça serait une base. Mais vu que c'est juste pour ma mine, je m'en fiche un peu. Fait que là, je vais aller vous présenter ma mine, puis vous expliquer pourquoi je l'aime beaucoup. Déjà, des grandes failles de même, on peut trouver beaucoup de stock sans même avoir besoin de miner quoi que ce soit. Fait que déjà là, c'est pratique. Mais ce qui est aussi très pratique, c'est que j'ai pas besoin à chaque fois de creuser un long escalier qui descend en profondeur. C'est chiant, ça prend du temps, ça coûte quand même beaucoup de ressources. Puis là, ben, comme vous voyez, j'ai déjà tout le chemin direct, déjà tout décoré, différents biomes. Fait que oui, je trouve ça très intéressant. Puis comme vous le voyez, c'est une grande caverne avec un couloir qui ramène à une autre caverne. Puis là, cette grande caverne-là, il y a probablement plein de couloirs, plein de petits passages un peu partout. Puis en explorant justement, j'ai trouvé ça, ce que j'ai le goût d'appeler une geode géante. C'est pas vraiment comme ça que ça s'appelle. Puis une fois ouvert, ben à l'intérieur, il y a des blocs d'améthyste. Il y a juste ces blocs-là où on a l'impression qu'au centre sont un peu craquelés comme ça, que c'est des vrais qui les poussent. Toutes les autres que je pointe qui ont pas de comme de craque au milieu. Eux autres, vous pouvez les casser sans problème, puis les utiliser comme la construction, mais les blocs comme ça avec des espèces de craques ou des cristaux, c'est très important de ne pas y ramasser. Parce que c'est ça, il n'y a plus de.
vous pourrez pas le ramasser ni l'utiliser. Fait que voilà. Fait que là, je suis revenu à ma base. Puis là, finalement, je me suis trompé d'erreur parce que éventuellement, va falloir que j'aille trouver ma base. Puis en partant en exploration, pas très loin de ma base, je pensais que je l'avais exploré, mais non, pas du tout. Fait que c'était toujours une bonne nouvelle de trouver un portail. Il y a souvent des blocs d'or, un coffre, puis quand même des bonnes ressources. Fait que c'est ça. Fait que c'est parti. Continuons notre exploration. Yes sir, les copains. Après, je sais pas combien de temps d'exploration, j'ai fini par trouver enfin ma première base. Puis depuis, ben avant que je me fasse tuer, je l'avais amélioré encore un petit peu. C'est encore plus stylé. Là, est quasiment pas mal tout fini. Les murs, les fenêtres, absolument tout. Puis je me suis même donné la liberté de faire un plafond en partie en verre. Je trouve ça un peu foncé. Probablement que je changerai le plancher, mais vu que les murs sont en briques de pierre, je trouve que ça fait quand même un certain contraste. Un contraste. Voyons, contraste, pardon, j'ai de la misère. Puis j'adore ça. Là-dedans aussi, j'ai pas des tonnes de matériaux parce que je me suis fait tuer, puis pour trouver ma base il y a pas trop longtemps. Mais je suis tellement content de l'avoir trouvé, puis c'est pas si loin que ça. Fait que là, à cette heure, ça c'est fait. Je vais aller explorer le reste de la carte. En bas, ben c'est ça, m'aller explorer le carte. Voyons, le reste de la carte. Fait que là, clairement, le reste de la carte, c'est un espèce de petit océan. Fait que je me suis mis un établi là, que je vais laisser là parce que c'est toujours pratique si je repasse par là. Puis on va finir l'exploration de la carte. Puis mec, que j'aille tout découvert, ben bien sûr, comme d'habitude, ben c'est ça. Je vais vous montrer le résultat de la carte, mais vous voyez déjà pas mal déjà à peu près tout. Mais quand même, j'aime ça vous en parler. Fait que, ben vous montrer. Que je vais pouvoir le faire. Puis surtout que là, ça me semble très intéressant. Enfin, la carte toute explorée, ben je dis enfin. Il me restait pas vraiment grand-chose à faire, mais c'est fait. Mais je trouve ça vraiment intéressant qu'il y ait une île suffisamment grosse, pas trop grosse, pas trop petite, juste à mon avis parfait, qu'il va falloir que je modifie. Mais là, j'ai pas l'intention de faire une base, mais là, j'ai vraiment plus l'impression de faire une espèce de ville décorative plus qu'autre chose, reliée d'un métro ou d'un chemin de fer, quelque chose comme ça. Puis, une fois ma base, ben, j'ai remis toutes les cartes, fait que j'ai agrandi ma zone d'exploration. Puis là, ben, je suis tellement content d'avoir retrouvé ma base, je suis tellement heureux. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Fait que n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si vous avez plu. Fait que je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine. Merci à plus. Au revoir.